Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce match de reprise de championnat. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Pierre. Bien sûr, Hervé, on va pouvoir situer l'état de forme des joueurs. On va suivre le club anglais d'Ipswich face aux Blackburn Rovers. Un petit pronostic peut-être, Pierre? Je l'attendais celle-là. Bah, pour moi, ça ne joue pas grand-chose. Les deux formations sont du même niveau. On peut jouer sur un coup de pied arrêté, cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je ne me mouille pas trop. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. 3 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs, des stats plus qu'honorables pour lui. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. On laisse clairement aucun doute sur les intentions de l'entraîneur. On va chercher à presser, presser, presser pour récupérer un maximum de ballons. Et pour bousculer l'adversaire en permanence, surtout, c'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. Et l'arbitre qui siffle le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes. Bah, tout le monde est en place, tout le monde est bien assis, donc allons-y. Interception. Ah, il dégage ce ballon. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Voilà. Evans. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot finalement. Ah, un mauvais choix de l'attaquant en plus. Ah, le gardien qui a eu un petit doute et qui a préféré accompagner le ballon en corner. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Allez, peut-être une bonne touche là. Allez, il y a du monde pour reprendre. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, il y a de la place dans le couloir. Ils construisent, ils font tourner. La frappe. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Lumineux cette passe. Et cela ne donnera rien du tout. Evans. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant. Ouais, la frappe. Et le gardien qui remporte son duel.
Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. En profondeur, oui, bien vu. Et l'action qui s'arrête déjà. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Un corner adressé. Le tir. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Et la voilà, la frappe. C'est pour le gardien, ce ballon. Elle est sortie, bien joué. Ouais, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Le duel pour la récupération du ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, dommage, ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque. On écarte le jeu. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, touche suite à cette déviation. Evans. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, la frappe de. Oh, quel tir! Oh, il n'est pas passé loin. Eh ouais, c'était puissant, précis, mais malheureusement, ça a touché le montant. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Et ce ballon est intercepté. Un mauvais passe, ce sera une touche. Un vilaine passe directement à l'adversaire. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. On s'approche du but. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. La défense qui concède un corner. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Elle n'était pas facile à capter cette balle, le gardien était bien attentif. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas.
Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Bon jaillissement sur cette passe. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Ah, il dégage ce ballon. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Le ballon donné au millimètre, attention! Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, touche. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, faut centrer vite. Il prend sa chance. Corner. Allez, pourquoi pas, il peut prendre l'avantage au score. Les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Elliot Bennett. Les 30 derniers mètres. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Mais l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Ce ballon qui est intercepté. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Il cherche le second poteau. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ballon dégagé de la tête, en touche. Attention à la frappe. Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être la volée. Ouais, là, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux, hein, de la part de ce joueur dans cette première période. Vous êtes d'accord, Pierre ? Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici. Pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. Ouais, c'est reparti pour 45 minutes. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Evans. Graham. Et la voilà la frappe. Bien négocié par le gardien. Allez, ils vont jouer la touche. Attention, ça peut être dangereux. Il perd le ballon. Personne pour le gêner dans le couloir. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Au grand soulagement du gardien. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, lumineuse cette passe. Un ballon qui sort en touche. Je crois qu'on va assister à un changement, Pierre, maintenant. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Mais jusqu'à récemment, ce n'était qu'une rumeur, mais c'est désormais une information confirmée. Ciro Immobile a signé à Liverpool en provenance de la Lazio. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction,
Je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Il dégage directement en touche. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Voilà. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ah, on l'a déjà vu plus précis hein, quand il centre. Ah, danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah, il est bien placé pour centrer. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah non, le ballon est perdu. Ah, il dégage ce ballon. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le long de la ligne de touche. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Oh, la parade du gardien à bout portant. Ah, il fallait le sortir cet arrêt. Franchement, c'est bien joué. Superbe intervention. Sans ça, son équipe était menée au score. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, la bonne qualité de ses passes. La défense qui maîtrise la situation. La solution dans l'axe peut-être. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Avec un tir. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Ouais, d'aussi près, ça fait souvent but. Hein. Ouais, mais bon, il y a l'intuition, hein, ça compte aussi dans le foot. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, ça sort, ce sera une touche donc. Ouais, la frappe lointaine. Décidément, il a du mal à assurer ses passes aujourd'hui. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. C'est dans le paquet. Un centre, et au bout du compte, pas de danger. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Ah, le ballon qui est finalement perdu. La frappe. Oh, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé. Mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ouais, le centre qui sort directement en sortie de but. Ouais, les supporters qui donnent de la voix, évidemment. Ils poussent leur équipe, c'est le meilleur moyen de prouver aux joueurs qu'ils ont confiance en eux, qu'ils sont derrière eux. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Williams. L'égalisation. Bon, penalty. Ah, c'est net, oui. Pénalty indiscutable.
La faute, bien sûr, et le carton jaune. Jaune. C'est pas possible, là. Il méritait rouge, Hervé. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Joueur qui ne tremble pas face au gardien. Le joueur qui n'a pas tremblé sur ce pénalty. Très bien tiré ce pénalty, beaucoup de calme, bien joué. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et voilà donc à égalité, un but partout. And a goal for Ipswich Town, number 24, Tom Adeyemi. Ouais, il a pris sa chance. Non, c'est pas très bien joué. Ouais, il a pas cadré. Ça passe au-dessus. Il était peut-être un petit peu loin quand même. Hein. Ah, ça passe au-dessus, c'est dommage. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Il aura fini son échauffement, il est prêt. Allez, c'est donné par-dessus. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le poteau. Oh, la parade à bout portant pour le gardien. À ce moment du match, c'est plus qu'important. Oui, si ça avait fait but, ça aurait été dur de revenir après. Il fallait le sortir, cet arrêt. En profondeur, oui, bien vu. Contrée. De Bennett. Non, elle est interceptée. Hors jeu, pas de doute sur cette action. Ah, il va y avoir un changement dans cette équipe, Pierre. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. C'est finalement un ballon perdu. Alors, le ballon est perdu. Ah oui, le tir. Il sort complètement perdant de son duel face au gardien. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Franchement, je comprends pas. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Avec 4 minutes de temps avec un tir, ce joueur qui se rate complètement. Trop de précipitation, c'est dommage, c'est quand même un ballon important. Williams. Ouais, c'est joué par-dessus. Ouais, c'est bien dosé, ça. Oh, il a sauvé son camp hein, sur cette action. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. On n'ira pas plus loin dans ce match qui se termine sur un résultat nul.
Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo ne viennent gâcher le spectacle. Ben, ça n'a pas été le cas du tout. Ben, je trouve qu'il a été plutôt bon hein, dans cette rencontre. Les deux équipes qui vont se quitter sur un score de parité. Il a réalisé un match assez convaincant avec ce but à la clé. Il a même touché le montant sur une autre action. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu être décisif aujourd'hui.